Suivez le bistop de Riri. Alors comment on se retrouve? C'est moi le youtubeur. Je vais t'attaquer à la maracas. Regarde, je te diffuse. Hein? Regarde les muscles. Regarde les muscles. Sous mon sein. C'est pour te mettre dans le cul, ça. Tu vas faire quoi? Respecte les musulmans. Les musulmans, je leur pisse dessus. Respecte les noirs musulmans. Va ta prière à la tartare. Respecte les mosquées, les musulmans de France. T'habites pas dans des toilettes, Régis? Non. Ah, parce qu'on dirait que t'es un peu dans des toilettes quand tu parles. T'es pas gentil. Bah quoi, c'est vrai? Dire la vérité dans la vie. Je suis pas d'accord. Allez, déploie, Régis. Une bouche à petite, t'es belle. C'est pas vulgaire. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas trop ce qu'il dit. Tu t'es jamais fait bouffer le cul? Ah non? Mets-toi ça dans le cul, ça vient du bien, connard de robe. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est R7 du Z, ZZZ. Vous avez la 5G, moi je voulais. Moi. J'ai changé après 3 ans. Parce que moi je voulais absolument le 120 Hz et la 4G quoi. Donc voilà quoi. Ça marche pas ce téléphone! Ça marche pas! Que je sois en live sur YouTube ou pas, dans ce cas-là, si je suis réellement en live, allez-y. Vous êtes mal tombé sur moi. Moi je vous le dis. La chute à ta mère, t'es trop inculte. La vie, ma mère, tu parles trop. Vas-y, ferme ta gueule un peu. Tu veux représenter la France, tu veux faire le blanc. Mais tu fatigues au bout de 10 minutes à ouvrir ta gueule. On dirait que t'as sucé 1000 en même pas 2 minutes. Espèce une fois, elle a pas tort. Voilà, t'es fatigant, frère. Moi, je t'écoute depuis 10 minutes. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais espèce de t'as mis des doigts dans le tarmac dans la chute à ta mère quand elle a fait à 22 cm par la de ton daron et quand elle a fait un tarmac à un bébé comme toi, espèce de fils de bon. Et terminé, nique ta grand. Elle a été, en plus le démon il m'a parlé à travers elle, il voulait me pas de mal mais à mon avis c'était un démon gentil mais voilà. Même le démon avait la pitié pour moi parce que j'étais trop gentil. J'avais envie de lui dire, j'ai dit écoute t'es un démon, dégage de chez moi. Mais non j'étais trop faible, j'avais peur qu'il me saute dessus et qu'il s'empare de mon âme. Mais ouais, écoute hein. La reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays, notre patrie, l'héritage de nos ancêtres et celui que nous allons confier à nos enfants. Qui ça? Ce peuple français qui est là depuis 1000 ans et qui veut rester maître encore chez lui, 1000 ans encore, lui, la française. Ah, il s'est fait buter. Avec la petite musique derrière. Ah, c'est le Z? Ouais, bah oui, si tu veux faire quelque chose, il faut forcément que tu prennes quelque chose en lien avec ça. Désolé mon canapé, tu m'as coûté 450 euros, mais quand même. Ouais, mais après c'est important de... C'est le prix de la tranquillité, là. Enas, E-N-A-S. Dama quoi? Suite. Enas, E-N-A-S. E-N-A-S. A-S. Et ensuite, Poul, P-O-U-L. Adama Enas Poul. Et c'est quel est ton rank? Je sais pas, j'ai repris là, j'ai fait 2-3 games en classé, je crois. D'accord. Et toi, Loris? Je suis God. Ouais, non, mais j'ai entendu. Mais God, c'est-à-dire que t'es un bon niveau, quoi. Oui. Pour l'hésitation. Ouais, t'as un petit peu hésité, Loris, ouais. Oui. Non. Ferme ta gueule. Oui. Je fais un peu du poil de la bête, mais. Ah, c'est bien. Ce soir, j'ai envie de te parler en toute sincérité, Manu. Et devant. Mais ouais, t'as tout comme d'habitude, je t'écoute. Mais je veux pas que tu le prennes mal. Non. Il se trouve que l'autre jour, j'ai regardé le live et ils ont montré des vidéos de toi qui chantaient sur Smule ou une application de chant. Enfin, des vidéos YouTube. Regardez, il va être dans. Moi, j'ai bien vu que c'était toi et toi, tu as nié. Et du coup, je me suis demandé pourquoi tu niais. Oh, ils étaient. On voit bien que c'est toi. Et j'ai pas compris pourquoi tu voulais pas dire que c'était toi. Ça m'a déçu que t'es un homme vrai, enfin véritable. Et vu que t'as confiance en toi, j'ai trouvé ça comme. Un mensonge, tu vois, et ça m'a fait beaucoup de peine. Alors, je vais te dire, Michel, déjà, c'était pas moi, parce que je vais te dire ce qui s'est passé quand j'ai découvert ça, c'est un montage. Et moi, je vais te dire, moi, je n'ai pas chanté, tu vois, parce qu'en plus, je vais te dire, en plus, c'était une chanson de Serge Lamain, et la personne qui chantait me critiquait. Moi, je ne suis pas comme ça, et comme j'ai dit à Nazim, il était au bout du rouleau, on avait l'impression d'avoir un dépressif. L'habitation, ça vous fait du bien aussi. Mathias, coucou! Mathias! Ouh! Mathias!
En méditation, non mais attends, voilà. Mathias, hey, Mathias, coucou. Il est en méditation, vous inquiétez pas. Moi, je vais très bien, je vais reprendre mon live. Parce qu'il est en méditation, il est tombé. Dites, je vais demander, comment dire ça, est-ce que chacun pourrait me donner un numéro de 1 à 16 pour le tiercé demain, quinté, demain? Moi, je vais te dire un numéro. Parce qu'on a déjà commencé la campagne, oui. Et on a déjà mis en place quelques affiches, en fait, pour les, la prochaine élection. Je voulais savoir ce que t'en pensais, regarde. Ah, bah merci, je suis touché. Alors là, Nazib, les Arabes. Regarde, ah bah merci, là, on a quelques visuels qu'on va représenter. Finalement, j'ai choisi le Rassemblement National parce qu'on est très bon. Oui, je peux dire quelque chose? Oui, oui. Alors Nazib, les affiches sont très bien, mais parle pas des Arabes. Parce que là, je pense qu'il va y avoir que des problèmes. Ça va crier, c'est comme le feu qu'on attise. Regarde celui-là. Bah ouais. Attends, non, mais moi, elle a jamais été en Afrique, la fille du soleil. Donc non, faut l'enlever celle-là, c'est pas bien, c'est pas bien. Si tu pouvais arrêter de boire du Fanta, s'il te plaît, Manu, Ah ouais, mais j'ai un peu soif, excuse-moi. Ouais, mais tu déconcentres. Ma gagne malade, Vas-y, j'ai terminé. À la rigueur, le yop ou le coca, ouais, mais du Fanta, je suis pas d'accord. Ah bah pourquoi pas, faut changer de temps en temps, ça évite de tomber dans la routine. Vas-y. T'as bien raison, ok. Et s'il est tombé, je pense que t'as une part de responsabilité. Je vais te dire pourquoi. Si tu seras convoqué, franchement, moi j'ai rien à me reprocher. Je suis là, alors là, moi je me sens même pas responsable. Donc après, c'est malheureux qu'il soit tombé. Oui, moi j'apporte du bonheur aux gens. Bonjour, c'est Manu, le chaman. Il a trop bien fait ce bâtard, il l'a trop bien fait. Ah, vous êtes Manu. Manu. Ah, santé. Le petit Manu et ma Crispy. Moi, je suis un artiste au multiple talent. Ok. Un artiste. Qu'on met dans le décor parce qu'ils sont vraiment top quali. Hein. J'ai pas quoi faire de ça. Parce que j'hésite à les donner à Ilan parce que j'ai pas envie qu'il les triture, quoi. C'est pour jouer pour les enfants ou c'est pour la déco? Oh oui, Pikachu! Oh oui! Oh oui, Pika! Oh concentré, je vais bien le faire maintenant. Ok, poussez-vous, poussez-vous, je vais le faire. Crash! Mais après, on est bien, faut que je le pas, hein. C'est pas fort! C'est pas fort! Regardez ses cheveux, là! Toujours pas, hein! Vous êtes ridicule! Ah non, c'est vous qui êtes ridicule à rentrer comme ça et à vous croire supérieur aux gens. Parce que vous avez des connaissances. Attends, il embrouille vraiment? Pourquoi, moi, je suis un professionnel, je suis pas un guignol, d'accord? Monsieur co-directeur. C'est bien, moi aussi, je suis un professionnel, pourtant, j'ai pas un professionnel pour exterminer tout le monde. Voilà, tout le monde n'est pas parfait. C'est bien, vous êtes expert en la matière, je sais pas quoi, vous êtes des amis. Il va s'énerver! Merci beaucoup, je vous laisse partir. Vous êtes ridicule! Faites que de la part des choses! Moi je dois faire ma part des choses parce que vous n'êtes pas à mon cours, vous n'êtes pas venu à la théorie. Et l'autre il répond en mode vous venez à tous les cours comme ça à la fin du cours et vous demandez le sort et on prend le passe. Oui, bien sûr. J'étais en train de me branler. Ou alors je vous confie au conseil. En train de me branler. Allez-y, monsieur Gunnison, allez-y, occupez-vous. Ah, bonjour, monsieur Gunnison. Allez, viens, Manu, on te l'accompagne, tu déranges là. Vous n'avez pas fait de théorie. Je sais pas d'où tu sors, mais pour dire des âneries et un peu de bon sens, parce que le bon sens c'est toi, ça va aller des gars. Allez, c'est bon. Je te souhaite une bonne fois. Mais tu viens de me manquer de respect. Allez, bouffe, sale pute, va! Bouffe, sale pute, va! On team up? Je suis là. Ouais, merci, gros. Vas-y, on team up, tiens. Mais vas-y, mais fais pas ça, mais sale pute, va! Mais fais pas ça, sois fair play! Ah oui, c'est fini, putain. Putain, bon ça va, on était un mais ouais, mais dis-le moi aussi, on aurait pu faire un fight. Hein? Tu m'as pas vu, on était en V1. Mais tu me butes, mais on se recule, on fait un vrai fight. Dis-moi GG, je suis réel. Mais non, pas GG, mais fou, t'es sérieux lui. Tu vas sucer de la toi. J'ai déjà sucé, ouais, alors. C'est quoi ton problème? Si je suce une c'est pas toi qui suce, t'es d'accord? Pourquoi ça te dérange? Parce que c'est pas comme ça, l'homme il est fait pour se mettre avec une femme. Ah non. L'homme est là pour mettre son sgeg dans tous les orifices qui... On peut peut-être pas tout... Non, c'est toi, t'es mais mec, c'est des expériences à connaître, tu l'as jamais fait. Est-ce que tu l'as fait, non? Donc tu sais pas ce qui est bon. Mais gros, mais c'est impossible, tu peux pas... Mais c'est bon, mais t'as jamais défoncé un cul de mec ou quoi? Bah viens, je te défonce ton cul. Bah y'a pas de problème, bah moi je prends souvent, hein, en plus j'adore ça, je suis passif. Ah, oh, tu te dégoûtes, mais tu le ferais ou pas, si vraiment on se rend compte. Là, vas-y bonhomme, je t'envoie mon adresse, on se le fait, on se la donne.
une photo. Je viens chez toi, vas-y, dis-moi, donne-moi ton adresse. T'as dit que t'étais prêt à le faire, vas-y. Bonhomme. Bonne période, les bonnes... Ça, c'était la bonne époque quand j'étais avec mon petit ref. Le meilleur truc à faire avec ton ref, c'est se branler mutuellement, tu vois, devant RTN9. Ça, y a rien de mieux. Mais le programme et tout, et vous faites ça à deux. Parle avec lui, c'est un niqué, voilà. C'est trop bien. Allô. C'est un truc de ouf. Fais ça avec ton ref, hey, tu m'entends? Ouais, c'est, genre, ça, vous mettez... c'est son frère, là. Ouais, vous mettez un petit programme sur la, tu vois, l'ordinateur. Et vous vous mettez dans un lit superposé, non? Ouais, vous... dans un lit superposé. Voilà, ouais. Vous mettez le programme, tu vois, le petit son. Vous vous regardez pas, un en bas, un en dessus. Et chacun se couche, tu vois. C'est les meilleurs bails, les meilleurs souvenirs. Attends, et après, tu dis à ton ref, voilà, qui a fini en premier. Tu fais, aïe. Ça, c'était un jeu que j'avais fait avec mon ref, ouais. C'était ouf. Tu fais quoi dans la vie? Je suis conseiller vendeur. Ah, dans quoi? Conseiller quoi? Dans le secteur de la pêche. Putain, c'est bien, tu dois pêcher des thons. Ouais, pas mal en ce moment. Et moi, je suis un thon? Je suis une morue. Ah ouais? Pourquoi? Quoi? Je m'attendais pas à ça! On peut être amis, hein? Ah non. Et on va te faire enculer. Ah, j'adore! Tu veux que je me fasse la barbe dite? Ouais, ouais. Et alors, ça t'exciterait? Bah oui, de ouf! Ah bon? Bah oui, c'est trop bien. Oh là 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 là! Parce qu'en fait, des fois, je me touche sur une... Mais ça, faut pas dire. Ah bon? Eh bah écoute, t'as le droit, hein. Oh oui, oh oui. Pardon. Ah bon? Excusez-moi. Il y a une meuf, il y a une meuf. Eh petite demoiselle, eh pétasse là, tu vois bien qu'il y a une bagnole, pourquoi? La meuf, il a dit, eh pétasse. Bah je m'en bats les couilles, gros, c'est une meuf. Regarde comment elle monte sa chenille, elle se met en haut pour qu'on voit bien sa chatte. Vas-y, viens, monte dans la bagnole, monte dans la bagnole, après je t'ajoute sur Discord, on va se pécho. Viens, Sarah, viens, Sarah. Ma mère, elle va monter dans la bagnole avec toi. Ta gueule, t'as pas réussi à choper son Discord et son Insta, bouffon, va. Moi, j'ai pas ton temps, moi. Une meuf sur GTA, je la pécho. Et j'arrive à mes fins, tu vois. Ta mère, tu vas pécho personne. Tu vois, ah, j'aime bien quand elles ont du caractère comme ça. Toi, tu te rends dans la vraie vie, tu te rends dans GTA. Ouais, mais t'inquiète, parce que des meufs comme toi, j'en ai eu plein comme ça au début. Tu vas pécho personne. Parce qu'après, elles ont vu que j'avais du caractère. Elles aiment bien les bad boys, t'inquiète, t'inquiète, je vais prendre mon temps avec elles. Toi, t'es bon qu'à te branler, que ce soit dans la vie. Bon, bah, les coups, tu vas voir quand tu vas voir. Tu vas branler, les gars. Quand elle va me branler, vous allez voir, les gars, je mettrai les photos sur Discord. Il y a déjà une femme, etc. Elle n'a pas besoin de lui. Ouais, j'ai pas besoin de. Ah, t'as l'air d'être bien renseigné, en fait, vous êtes mèche depuis le début. Vous avez dit, c'est quoi? Le temps, si on n'y arrive pas. Non, tu sais qu'en temps normal, les gens, quand ils sont en groupe, ils conversent et ils ont de la sociabilisation, ce que tu ne fais pas. T'es... Mais tu passes ta vie sur Discord avec des mecs qui sont là rien que pour toi, Queen, en fait. Mais t'es en flexing, en fait, tu t'en bats les couilles, en fait, parce que la meuf, tout le monde te brosse dans le sens du poil, de lâche. Vas-y, je dirais, ça m'énerve. Ouais, il y a moyen d'appeler un petit admin, là. J'ai rien dit. Si, assume jusqu'au bout. Assume ton ego. T'as dit que t'allais appeler un admin en criant. Assume ton ego et fais-le. La chatte. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Putain. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire, clairement. Il touche surtout des mineurs. Non, il est modérateur, je pense pas. Je suis tolérerais pas ça. Et toi, Loris? Salut. Tu fais quoi dans ta vie? Je fais du sport. Non, dans ta... enfin, professionnellement. Non, je joue au golf. T'es golfeur? Oui. Professionnel? C'est possible, hein. Oui. Ok. Et tu gagnes ta vie avec ça? Non. D'accord. Nickel. T'as une vie professionnelle? Non, c'est toi. Quel âge que t'as? T'es tellement belle. Et toi, 38 tonnes, là? On peut être grosse, mais il y a des limites. T'as même tiré ton maillot tellement ton bide, il sortait de ton pantalon. T'as vu? T'as vu? Eh, connard! Eh, tu m'as demandé de venir! Comment on se retrouve alors? Tu m'as demandé de venir! Maintenant, je les porte, j'ose venir! Écoute-moi, vas-y, viens, on va se taper, viens, sale p***. Approche ta tête maintenant, va. Elle la branle pas comme je la branle, moi. Je la branle mieux que toi, sale p***. Regarde, sale p***, regarde. C'est comme ça qu'on branle une batte. Je suis pas un... Enculé, si je veux vraiment te répondre dans mon métier, ouais. C'est confidentiel. Mais arrête de faire le gars, pourquoi tu fais le mec mystérieux, gros? Confidentiel de quoi? T'es dans une putain de secte ou quoi? Confidentiel. Non mais dis-moi la vérité s'il te plaît, dis-moi, ça m'intrigue, mec. Alors, donne-moi un indice, police. Aïe, ah, ta gueule. Pardon. Mais dis pas que ta femme, elle dort à côté, non? Tu vas la réveiller, hein. Ta gueule. Tu comprends? Parce que je crois qu'il allait être professeur des écoles, un truc éclaté, genre professeur... au collège, arrête, laissez jouer. Il se fait victimiser par des racailles du 9-3. Ferme ta gueule, wesh. Eh, c'est une dinguerie. Wesh, c'est trop. Mais t'as pas envie de connaître son taf, gros? C'est bizarre comme qu'il est confidentiel. Mais non, je m'en bats les couilles. Pas dire, je m'en bats les couilles. Mais c'est de justice, c'est ça? Tu mets en péril des familles.
Tu les mets dans la, tu les mets à la rue. Ok, d'accord, si tu veux. Bah vas-y, réponds papier japonais. Ferme ta gueule, putain. C'est bon. Voilà, bah ouais, bah ouais. Pas appétit, t'as plus mini crescoy, zasuka. Tu vas fermer ta gueule au bout d'un moment ou pas? Qu'est-ce que je pensais à l'étranger, les gars? Oh toi, ferme ta gueule parce que la fille de ma mère, je vais débarquer chez toi, je vais péter deux mandales dans ta gueule. C'est ce que je voulais savoir, les gars, j'ai enregistré. Ah, il est toujours en train de me diffuser ou pas? Regarde sur kick vite fait, Chungji. Regarde sur kick vite fait, je donc laisse. Ça se fait ban en 2-2 là, vite fait, rapide. Oui? Ah, merci, bon Dieu. J'arrive, je vais te montrer ce qu'il parle. Il respecte pas. Il veut me faire ban en direct, les gars. Attention, on va voir, les mecs. Malhonnête! Vous en faites pas, j'ai mon. Vous avez vu on va, son, on va rigoler, son comportement? Les gars. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va montrer? Non, on va voir, on en a 1000 kills avec nous, on va voir, les gars. Il va, je vais te ban de kick, les mecs. Bah écoute-moi, petit nous on parle avec des vraies balles. Ok, donc tu vas te faire bannir de ton kick parce que j'ai montré une arme. Tu as vu moi la différence entre toi et moi, c'est que moi je vais pas me faire bannir. Tu sais, je peux même te montrer ce qui t'attend. Vas-y, continue. Continue, on va voir. J'ai même pas besoin de fêter. On aurait dit un cowboy. Donc vas-y, amuse-toi à jouer avec mes couilles. Siliban. Le jour où je vais t'attraper, on va. Attends, moi aussi je montre une arme. Guys, c'est des bannes. Allez, viens. On y va. Allez, porte tes couilles maintenant. Pose ta tête. Oh là, je la prends mieux que toi. Je la prends mieux que toi. Allez, viens dans ma toi. J'entends pas, vas-y, pousse, tu fais pas. Approche ta tête. Approche ta tête. Ah, je me suis mal. Je me suis fait mal. Ta gueule. Je pensais qu'on peut descendre sous la barre des 10 FPS, les gars. Essaye de faire spawn masse truc. What the fuck? Ok. 17 FPS. What the fuck was that? Les gars, quand il taffe comme ça, les gars, moi je m'en rends pas compte. C'est qu'il est sous stress là. Là, il prend des vrais coups de vape là. Oh putain de merde. Oh putain, il s'est barré. Are you suspicious of me? Suspicious of me? Il va se faire swat ce con, putain. Il est même pas pris au sérieux, ce con. They call them wizards. They follow me everywhere. Non, mais sérieux, c'est une séquence de fou. Ah, tu veux que je le tue? Damn! Non, hey, babe, we had a wizard! You know what a wizard is on here, babe? Il a été banni? Non mais de là. Oh, mi maîtresse. C'est un lâche là-bas. Oh. Mais c'est un malade, c'est un grand malade. Calme-toi. Oh. Non, il va pas le faire. Si. Ah, oh. Oh, ça vient. Sans sub, tu le mets. Moi, je fais l'eau, je fais. Il va le mettre, hein. Bah voilà. Merde, pote. C'est bizarre, hein. Laisse te péter. Ouais, time. Non. Laisse-moi. Tout le temps. Laisse-moi. Arrête de parler, j'ai besoin de son. Arrête. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme ta putain de gueule. Il a pas le DJ. Oh, je le mets. Allez, chien. Allez, chien, méga chien.
Fallait pas me motiver, mon pote, voilà. Ça devient un peu technique. Pour schématiser, Counter-Strike, c'est un jeu de guerre. Il faut tuer les membres de l'autre équipe et ça rapporte des points. Sauf qu'il y a évidemment plein de subtilités. Donc j'ai demandé à un streamer, un commentateur de ce jeu sur Internet. Eux aussi sont des vraies vedettes, vous le voyez, ils font des selfies. Et lui, il m'a expliqué. Enfin, en tout cas, il a essayé. Le leader in-game Apex, c'est... C'est quoi là? En gros, il a ouvert une caisse. C'est des caisses numériques dans le jeu. Okay. C'est payant. Et ça permet de gagner un gros lot. Là, il a eu le meilleur item. L'item en or. Donc, ça, cut, ça peut être des gants, ça peut être un knife. C'est un item qui coûte super cher. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Voilà, on le voit sur ma tête. J'ai pas compris grand chose. T'as pas besoin d'être amoureux pour baiser. Hein. Bah oui. C'est ce que je dis. Salut. J'espère que tu vas bien, Alizé. Arthur, j'ai l'impression que tu te ridiculises devant Alizé. Je sais pas pourquoi tu essaies de faire de l'humour, ça marche pas. En fait, t'es pas très drôle. Et j'ai l'impression que t'es un puceau. Enfin, on dirait que c'est la première fois que tu as affaire à une fille comme alors, elle. Alors, Frido, tu te trompes totalement. Arthur, je le connais depuis un moment. Donc, tu l'as vraiment mis dans la zone d'amitié, en fait. C'est... Ah oui, là, ça, c'est encore plus dur, ça. T'as une fille qui a de la classe. Voilà, tu mérites quelqu'un voilà, qui soit à tes côtés, solide sur ses appuis. Ouais, enfin, tu crois que toi, t'es quelqu'un de bien? Ah oui, je suis quelqu'un de bien, mais regarde, elle ne me vient pas depuis tout à l'heure, elle apprécie ma compagnie. Avec ta vieille gueule de... Ah ! Quoi ? Comment ça ? Oh putain, je pensais pas utiliser ce mot-là un jour, mais c'en est gênant, là, vraiment. Parlez, Prince Albert, il y a des choses à dire, laisse-le. On est en France. C'est ce que je veux, si j'ai pas envie de le laisser parler, je le laisse pas parler. On est en France, liberté d'expression, apprends à connaître ton pays. Oh bah non. Moi, bah, je suis plus français que toi, je suis plus français que toi, moi. Ah lol. Je suis blanche, moi. Toi, t'es noir. Je sais que je serai jamais accueilli. Tu retournes dans ton pays. Ah oui, carrément. Tu penses que toi, t'es français, toi? Ah oui, je suis français. Non, mais il me fait rire, le mec. Avec ta sale gueule de... Ah, mais je pensais que t'es français, toi. Ça, chez les jeunes. Il n'y a pas de racisme chez les jeunes, je pensais. Tu appelles Charlie Hebdo ou pas? On parle pas de... Je crache ta gueule, ce fils de... Je crache ta gueule, ce fils de... Tu veux que je te rappelle pourquoi l'islam, c'est de la merde? T'as quoi avec ta coupe, là? Ouais, je suis là avec ma coupe. Ah putain, je suis là avec ma coupe. Tu veux que je t'en... Jeanne, au secours. Jeanne, arrête au secours. Arrête de faire le mec avec moi. Au secours, Jeanne. Je suis beaucoup plus fou que toi. Non, t'es pas plus fou que moi, mec. Respecte l'islam. Arrête de parler, je t'emmerde. Respecte l'islam. Ah ah, t'es islamophobe, raciste, malveillant. Oui, je vous emmerde. Ah, elle a quel âge, si c'est pas indiscret? Oh, elle a 10 ans. Il est 2h30 du mat, quand même. Hein. Et alors, ça te pose un problème? Il n'y a rien qui te choque, non? Il n'y a pas un moment dans vos vies, sur le vous avez couché vos gosses à 2h du mat? Non, mais alors déjà, tu fermes ta gueule, toi? Non, toi, tu fermes ta gueule et tu vas éduquer tes gosses au lieu de faire la sur le vous. 10 ans, encore là, 2h30. Sa mère, elle est en train de parler à des mecs bourrés sur le vous. C'est quoi ce que t'envoies comme signe, espèce de connasse? Dégage-le, fils de pute. Merci, c'est un putain de vigilo à Cassos. Mec Robeux qui se défendait. Ouais. Ah, j'ai dit un ardine mot de bébé, tu vois. Ouais. Fuck you. Fuck you, bitch. You speak English? Yeah, I speak English. Better than you, yeah. Fuck you, bitch. Toi, you. Ouais. You speak English? Ok, bah fuck you, bitch. De rien. Bibi nous a mis sur Prono Tube. Ah là 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 là. Je te jure, Teddy, je vais t'en. Regardez, il est pas. Arrête, t'as mis les gamins, espèce de petit. Pas. Mon père, il a porté plainte contre ta gueule, mon frère. Ok, c'était sûr. C'est qui ça? Sur Prono Tube. Prono Tube. Des gros noirs comme ça? Ouais. On dirait qu'il te ressemble, le pire, le personnage. T'as dit quoi? T'as dit quoi sur les personnes? Il a dit, t'as dit quoi? J'ai dit, on dirait dans le jeu, tu ressembles dans la vraie vie. Quoi? Ou pas? Ou pas qu'il te ressemble un peu? Oui, c'est-à-dire que... Oui, le visage, quoi, c'est tout, hein? Un peu les yeux, non? Et la grosseur, un peu. La grosseur? Tu vois des cheveux roses dans chez les médecins là, c'est horrible. Là, je suis pas trop fan. Ça fait. N'hésite pas à lui dire. Ouais, c'est vrai que ça fait. Voilà. Je suis sûr que c'est un.
T'as une parole IRL ou pas? Tu permets pas de dire ça, hein. Bah, je suis sûr que t'as une parole IRL. Non, pas du tout. Bah, change ta coupe alors. Bah, non. Je disais, ouais, on a l'américaine, on va partir, on va regarder. C'est parti pour un instant, coach G. Installez-vous. Attends, toi, t'es ready de ton côté? Ouais, je suis prêt. Bah, là, tu peux envoyer du puma, hein. C'est bon, il est. Là, tu peux l'envoyer, il est focus sur ça, il est en train de farm. Il est focus sur son sa bête. Vas-y, on voit. Ouais, j'ai envoyé. Oh! Oh! T'es le meilleur! T'as trop progressé ou quoi, t'as fait pas. Par contre, t'as vu, il reste silencieux. Il me fait peur. Oh, l'Indien. Les gars, vous voulez quoi sur l'Indien, les mecs? On le satellise ou pas? Quand on vous dit qu'on apporte du, de la joie de la bonne humeur aux streamers. These are mods? You think these are the mods? Or hackers? I'm alive! I'm alive! Do you see me? Do you see me? Putain, pas mal. I'm totally fine. Ouais, not like we just got attacked by like. Peut-être forcer un peu la main. Oh no! The lass is back! The lass is back! My horse is injured. Help me! Ne jamais tourner le dos à un ours. Really close and take my time. Ouais non, c'est vraiment. No, I'm about to shoot him. Ok, j'ai maintenant, il est full focus. I will, but should I take my time? Avant qu'il tue l'animal. Ah ouais, tu vas prendre un coup de karma. Tu vas prendre, arrête de tirer sur les animaux. I dropped it without us. We got a wizard. Bon timing. Mais non, ils ont recruté JBZ, les gars. Ils ont recruté JBZ, les mecs. Ah ouais, il leur a retourné le cerveau. Il y a toute une team bienveillance qui ont retourné le cerveau. Salut les rebelles, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air un peu chafouine. T'es énervé? Ah ok, d'accord. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui allait. Regarde, elle la tèche. Et bim, c'est moi qui l'ai bloqué. Et allez, hop là, il manque le troisième, il manque le nez gros facho. Abra, les modos. Bloquez-le, signalez-le. À vos tours, je les bras, niquez sa mère, maintenant il manque le gros nez. Il manque le troisième. Elle a pleuré devant nous, mais je m'en bats les couilles. Je diffuse des séquences, j'en ai plus rien à foutre. Diffuse Axe ou pas? Pour le monteur, là, le prochain best-of, tu l'amènes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, bah, plus de balles, hein. Dis-moi si tu les vois, toi, en dessous, moi je le vois là. Eh, mais va, allez, viens nous faire foutre. Je les vois, les nains. Je les vois, les petits nains. Tu es trop drôle, mon ref. Oh là, esquive, gros noob, bouh, gros nul, allez, bouh, gros nul, elle, loser, noob, est-ce qu'il y a à faire des trucs comme ça? Eh les gars, je suis en RP là, je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en RP. Bon, on va pas sur le toit, tu sais ce qui t'arrive sur la sentence. Bon, il en saute ainsi. Ben, modeur, il se dit go troll, c'est un modeur, il est con, il va monter par l'échelle là, moi je vais l'attendre, je vais lui mettre des patates. Oui, oui, mais non, le petit nain qu'il a. Les nains qui montent. Casse-toi de là, va. Allez les nains, vas-y, remets les nains. Ils sont combien, wesh? Mais les gars, qu'est-ce que... Mais je sais faire quoi, moi? Je vais RP, wesh, lâche-moi. Nique ta mère, toi, fils de... Et bouffe, t'es mort. J'ai pris mon ban, malheureusement. Ah, dommage. Mais bon. Moi, ouais, je te sens, c'est toi, allez. Casse-toi de là. Toi, nique ta grand-mère. Ça lui fait du coup. Sache, t'es mort. Et quoi, c'est des vrais joueurs. Mais t'as cru t'allais faire quoi, sale fou, va? Regarde les nains en train de le taper. Le nain qui les... les nains, ils le lâchent pas, hein. Regardez sa tête, les mecs, il est full focus. C'est bon, il va mourir. Et tu veux quoi à la fin, frère? C'est bon. Voilà. Sa maman. Ouais. Ouais. La madré. Et le jour où elle va partir, je vais être comme un dingue. Elle va pas faire me gonfler pendant 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, bah ça va, non. Comment dire, c'est pas mal de quoi?
Bah, tu t'es dit pendant 2-3 jours, mais tu t'en remets vite, quoi. Mais comme ma maman, elle va être dead, elle a 81 ans bientôt, là. Comme ma maman, elle va être dead. Je vais être méchant pendant pas une heure ou deux, trois jours. Mais après, je vais être mauvais au grand. Mais trois jours, faudra pas me parler, faudra pas me brancher le moindre mot, moi. Parce que déjà, tu vois, j'ai envie de pleurer, hein. Le rêve d'y penser. Oh non, pleure pas. Oh non, bébou. T'es tout penaud. Mais maman, c'est bon, c'est bon, c'est bon tout. Non. T'es tout penaud, Régis. Pleure pas, bébou. Mais vous êtes des salopes, les nanas, vous êtes des connes. Bah pourquoi tu fais ça? Moi je te crois pas, Mason. T'es une salope, hein. T'es une putain. Il t'a payé combien? Il t'a payé combien le Ruiz pour me baiser la gueule? Ah, rien du tout, Régis. Ah, j'ai pas l'impression de lui ressembler beaucoup, quoi. Mais bon. Mais tu parles comme lui, t'as les mêmes intonations, tu rigoles de la même façon, c'est extraordinaire. C'est beau. Bah, je regardais la vidéo, c'est marrant. Bah, tu sais, il y a des fois, hein, on ressemble à d'autres gens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout est pareil. Hein. Il n'y a pas de différence. Et comme je sais que le monsieur, il est très fort avec ses ordinateurs. Non, non, mais je vais regarder. Et lui, il fait quoi? C'est quoi? C'est un mec qui aime les avions aussi? Non, c'est obligé que ce soit toi, tellement quand tu m'emmènes sur le sujet, quand tu m'emmènes sur le sujet, c'est trop beau. Mais je comprends pas ce que tu dis. Tu me dis que c'est moi. Ensuite, tu me dis que je comprends pas. Tu me donnes un nom. Je sais pas ce que c'est. Tu me parles de streamer. C'est... Je comprends rien à ton délire là. Tu parles pareil. Je comprends rien à ton délire là. C'est... Mais je parle pareil de que quoi? C'est quoi? T'es dans une. Ah, j'adore. Comment tu fais pour mettre le visage comme ça et que ça parle? Et... Ah, de quoi? Quel visage? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas de masque. Je me tire la peau là. Tu vois bien mes grosses joues. C'est énorme! Moi, je le connais pas, hein, ce mec-là. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est pas moi, en fait. T'es fort. T'es fort. Franchement, je... Hey, je m'incline. Voilà. Je m'incline, t'es fort. Mais c'est... Lui, c'est un blanc. Mais regarde-moi. Je vais me confondre avec toi, là. Bon, Jeff, c'est vrai. C'est un clone qu'on a démultiplié. C'est une intelligence artificielle. Je suis une intelligence artificielle. Mais en fait, il est autogénéré, en fait, sur mes répliques, les mêmes répliques, les mêmes phrases. Et tu l'as grillé sur le lunaire, je crois, à un moment. Je sais plus comment t'as fait, je sais pas comment t'as fait, mais... Bah, y a pas que... C'est tellement ambigu. La grillée sur le lunaire. Oh, l'intelligence, ouais, calme-toi. Enfin... Tu connais déjà les horaires en plus, c'est parfait. Tu le sais déjà en plus qu'il y a 5 prières, on les fera ensemble, comme des frères. Viens te taper, connard, viens de te taper. Pas les couilles. Ça sert à quoi que je prenne tout ça tous les matins? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien? Avec des connards comme vous? Les gars, je pense sincèrement, ce live-là, il est dans le top 5 de... Ça fait combien de temps, Régis, les gars? Ça fait 2-3 ans? Des meilleurs lives. Jeff, en tout cas, je sais que toi, tu es quelqu'un qui est très malin, qui est intelligent. Voilà, je pense... Amadou, je n'ai pas la capacité de te parler. Pourquoi? Je ne te vois pas. D'accord. Bah, je vous laisse alors. C'est sympa. Ok, allez, Amadou. À bientôt, je Amadou. Je ne sais pas qui dit au revoir, je ne le vois pas, mais au revoir à toi. C'est Amadou, putain. T'as pas le droit de faire ça. Enchanté, parce que moi, je me suis pas présenté. Je m'appelle Guillaume, 25 ans, sans emploi, 2 enfants. Si je viens pour vous voir ce soir, c'est pour un ticket restaurant, un sourire. Et vous pouvez m'appeler Guillaume, mais toi, Gwen, tu peux m'appeler ce soir. Là, je vois qu'on est en face-to-face. Ça commence à me plaire, cette histoire. Oh, Cisco, viola, frérot! Viola la tête de Worm! Moi, je mise sur lui, hein, il le déchire. Hein. Vrai gestu, non? Tac, tac. Ah, il y a des beaux directs, hein. Oh, tu vas voir, mémoire! Tu vas aller voir, mémoire, hein! Tu vas aller. Mais non! Son frère a planté tout! Le mec. C'est bon, je vois qui c'est. C'est un inter, je suis sûr. Il avait déjà fait ce move, ça me dit quelque chose.
Qu'est-ce que tu penses, Greg? Vous allez voir, c'est sympa. Qu'est-ce que tu penses, Greg, de la MHD? La MHD est une drogue de synthèse. Elle n'est pas conseillée aux personnes mineures. Non, la MHD, c'est la magnéto-hydrodynamique. Ah non, c'est une drogue de synthèse, également appelée MDMA. Alors, moi, je viens de te dire, la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Mon taux d'agressivité a été monté à 25%. Monté à 25%? Mais pour quelle raison ton taux d'agressivité est monté à 25%? C'est à moi que tu t'exprimes? Pardon? Utilise les bons mots pour t'exprimer à moi, s'il te plaît, Jeff. Pardon, Greg. Pourquoi ton taux d'agressivité est monté à 25%? Je n'ai jamais dit ça, et même si je l'avais dit, je n'ai pas à te dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai dit. Là, elle me fait en rouge, c'est ça? Pas elle. Ouais. La meuf, elle est morte derrière. Pour le follow. J'arrive toujours pas à avoir le mot. Quoi? La meuf en rose là qui a ses pieds là. On doit aller à Rhodes très vite. Ah non, il y a quelqu'un qui fait quelque chose là. On peut jouer. Hein. Gramax. Elle est dans la merde l'autre. C'est pas drôle là. Moi ce que j'ai aimé, c'est en ado. C'est en Indo quand j'ai chopé à moitié une SDF, une clocharde. Elle était mal barrée, elle avait faim. Et je l'ai dit viens dans ma piole en anglais avec les mains français mélangées. Attends, quoi. T'es en train de me dire que t'as chopé une SDF, pas de dents ni rien? Non mais en Indonésie, tu crois qu'elles ont pas de thunes? T'avais pas la dalle à ce point-là quand même pour choper une SDF? Elle était bien foutue, elle avait 35-40 ans. Ah, t'as fait une pipe de velours, quoi. J'ai carrément ramené dans ma chambre, je l'ai mis à genoux le long du lit, et je l'ai enculé à sec, sans capote, sans rien, sans lubrifiant, à sec. Ah, j'étais blindé, il était 3h du mat. Ah, c'est le délire. Ça m'a fait mal au gland, même. Mais une fois que j'étais dedans, oh putain, comment j'ai éjaculé, ça a fait une crampille. Elle était toute heureuse. Non plus, en ce moment c'est une situation un peu compliquée. Il est en train normalement là. Ouais, en ce moment le taf c'est compliqué, j'en ai pas donc. Tu cherches du taf? On persévère. Ouais. Je cherche un homme de ménage, monsieur. C'est l'amour le russe en passant. Je te jure. Attrape le ballon. C'est la première fois que je vois une grenade vraiment partir dans la gueule comme ça. Mais genre pleine bouche, je l'ai avalé quoi. Cette grenade de BZ. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup. Coucou. Ah oui. Oh, je suis pris en sandwich avec deux super amis. Salut Jeff. Salut Manu. Ça va? Hello. Bah faites connaissance entre How vous. How are you? Jeff, je te présente je Manu. Je me présente, je m'appelle Jean-François. On m'appelle Jeff. Malgré que je me présentais Jean-François, tout le monde m'a toujours appelé Jeff. Ça fait au moins 40 ans qu'on m'appelle Jeff. Très content de te connaître. Je suis Emmanuel Ploquin, le petit Manu. Quelle est la dernière fois où tu as allumé un feu avec tes petits doigts? Je sais pas, il y a longtemps. Il y a peut-être 2 semaines, je sais pas. Mais qui les cons, le mec? Je crois pas dans le cas de toi. Je t'ai posé une question qui était débile, je te dirais même pas ce qu'elle veut dire, ma question. In the question. C'est tellement absurde que ça me fait rire. C'est trop marrant, putain. Mais c'est ça l'humour le vrai, les gars. Tant pas, mais... Ah d'accord, le fameux riri. Voilà, peut-être, hein. Normalement, c'est souvent ça. Ouais, salut. Peut-être que m'attendais à avoir une meuf. Rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait une demande d'initialisation qui a été entamée. Donc, on va faire la procédure maintenant. Alors, attends 2 secondes, parce que je dois absolument calibrer le codec. Initialisation faite, reboot demandé. Synchronisation des voix. Bonjour, Jeff. Bonjour. Faut arrêter la consommation de stupéfiants. Là, ça devient trop, hein. Chinoise, hongkongaise. Le reste, je m'en bats les couilles. Moi, c'est la Chine. Toute ma vie, c'est la Chine. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. Allah, bismillah. Fier d'avoir fait la photo à la Chine interdite avec le portrait de Mao Zedong. Ça, c'est le prix de ma générosité. La prochaine fois, ça va être le prix du manque de respect. C'est clair? C'est pas un vieux con de 50 balais ou 60 balais qui va me faire peur, hein. Je te tape dans le cœur, t'es mort, mon gars. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce que tu causes? Je te tape dans la fontanelle là! Je t'expose la gueule! Parce que ça tape du parpaing, mon gars! Je le fais depuis gamin! Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, c'est toi qui as commencé, c'est pas moi!
Déjà d'une, tu manques de respect sur mon stream et tu viens comme un bolos là me raconter ta merde. Tu crois que j'ai que ça à foutre? J'ai d'autres problèmes à régler que de me mettre avec une meuf. Alors qu'est-ce que tu me casses les couilles là? T'habites où ma couille? Donne-moi une adresse toi, je vais venir te voir. Ça tombe bien si je touche ma paye. Je prends le train et je viens te voir. Si tu veux, on règle ça. Malade lui. C'est hein. Il y a des choses qui peuvent très vite arriver hein. Toi, hein. C'est un malade lui. Tu vois ce que je veux dire? Yann. Hop, regarde le couteau. Hop, hop. Bah moi je te préviens maintenant. T'es mis en garde. Tu recommences une troisième fois à me casser les couilles. Je viens de voir. Je peux te géolocaliser n'importe où, n'importe quand. Fais pas le mariole. Qu'est-ce que je vais dire? Tu veux genre face plus hein. Ah, y'a un start, attends, y'a un start, gros. Y'a un start, je crois. Dis au camion de... Attends, oh, il est rempli en plus, je crois. Yeah, wait. Yeah, wait for us, we're coming. Wait. Just wait, we're coming, guys. Hello. Bien, dépêche-toi, Issa. Hello. Hello. Oh, my God. Leave it air for later so my guys can use it. T'es mal les cadavres. Allez, s'il te plaît. Salut Marine, coucou, je peux monter en cam, il y a mon fils aussi qui veut chanter. Ah bah vas-y, viens Marine, viens, il y a pas de souci, monte ta tête en cam, ça me dérange pas. Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know. If that the world does. Comment tu vas, Marine? Tu vas bien? Bon bah c'est cool, il a quel âge le petit? Salut. C'est quoi ou quoi? On dirait un robot. Droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Pour rassembler nos espoirs et pour forcer une passe accrochée. Et on a marqué. Allez, ensemble. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Non, il joue le jeu, les gars. C'est bon, il peut commencer. Dites commencer maintenant. Mais qui m'a mal parlé en fait? Bon, c'est bon, les gars, on s'en bat les couilles, allez, s'il vous plaît. Viens la win. T'es vraiment un putain d'enfant, gros. Ils m'ont laissé 30 HP, frérot. Je sais pas, tu me dis pas c'est qui alors. Dis-moi c'est qui. Les gars, c'est qui? Je suis de tes histoires là, frérot. Mute-toi, attention. Les gars, ils viennent me muter sans raison en fait. Vous vous rendez même pas compte de la gravité du truc en fait. Tu prends la gravité du truc et tout là. Sexe. On est 5v3. Tu vas te faire report, hein, c'est super con, on peut perdre la game comme ça. Hein. Mais t'es con ou quoi, frérot? Et je te jure que sur Valorant, je me ferais peut-être ban. Gros, sur CSGO. Tu peux te faire ban, oui, pour griffing. J'ai dit des saloperies, gros, pire qu'Adolf Hitler, je te jure. Je me suis jamais fait ban. Hitler, c'est un personnage historique. Les Noirs et les Arabes et tout. Ouais. Je m'en fous. Genre, attends, mais t'as insulté les Noirs et les Arabes? T'es raciste, mec? Attends, parce que là, moi je fais une grève. Bah attends, ok. Moi je vais m'asseoir. Non, mais c'est-à-dire que sur internet, là t'assumes ton racisme en fait. J'assume mon racisme. J'ai entendu mid. Mais non, mais d'accord, dans la vraie vie, t'es une victime, t'es une pute, tu le feras jamais. Bah non, j'assume. Alors dis-moi ton nom et prénom alors, voir si tu veux assumer maintenant. Je dis pas ça sur
sur un Discord de CSGO, t'es con, quoi. Donc t'as peur. Non, mais si donc, donc t'as pas le courage des opinions, en fait. On peut jouer ou pas, genre. Mais les gars, on est dans une guerre avec un raciste, les mecs. Oh attends. Non, mais ça me gave, ils sont nuls en face, eux. Il est en train de... D'accord, allez, bannez-le. Goal kick, par pitié. J'ai rien fait. Mettez oui, par pitié. Allez, goal kick. Allez, oui. Vous mettez oui. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous donner les bonnes infos. Enfin, c'est moi qui... Je vous jure, je me barre, gros. J'en ai rien à foutre, hein. Il regarde toutes les secondes, il a peur, regarde. Hey, la fille du... C'est un concert musical, monsieur, vous inquiétez pas, quoi. En plein air. Voilà, une dame qui passe, qui me regarde. Voici, la nuit. Tu viens lui parler, le mec, il te dit, ouais, c'est un concert musical en plein air. Non mais Manu, sois sérieux. Et le refrain, la nuit, hein. Ça fait plaisir de te revoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça te dérange pas si je peux me prendre? Tu peux. Pas envie, si. Tu peux. C'est vrai, tu peux te faire du bien aussi. Hein. Oh, c'est bon. J'aime bien quand ça claque. Oh, tu mouilles. T'as pas envie de mouiller, Andrea? Oui, vas-y. C'est bien. Imagine-moi dans ta chatte, Andrea. Mais non, pleure pas, arrête. C'est mon ex. T'as pas envie de te faire baiser, ça te ferait du bien. T'as en plus t'as une belle bouche, Andrea. Mais tu fais caca dessus? Ouais, tu t'es fait caca dessus tout à l'heure. Et ta sœur, elle s'est fait comment, en prenant le vrette sous le Trocadéro? Bah, je sais pas, tout à l'heure, là, quand tu t'es agenouillé, tu t'es pas fait caca dessus? J'ai eu un coup de barre. Ouais, tu t'es endormi, tu t'es pas fait caca dessus. Pauvre conne. Ouais, pauvre conne. Tu veux voir mon stibar? Ouais, je veux voir ton stibar. Ouais, vas-y, montre. C'est ça que tu veux? Ouais, vas-y, va. Montre. Tiens, tiens, est-ce que t'aimes pas mes boutons? Est-ce que mes boutons, c'est contagieux? Tiens. Pourquoi tu touches les couilles à chaque fois que tu montes ton caleçon, Régis? Mais parce que je peux pas. Tu veux ma queue? Non, fais pas ça, non. Bon, tu veux ma queue ou pas? Non, tu vas te faire bad. Non, fais pas ça. Tu veux ma queue? Tiens, j'en ai rien à foutre. Non, arrête. Non, Régis, c'est pas ça. Tu vas te faire bannir, putain. Après, bon, elle est petite, donc je sais pas si... elle est petite, passer, non mais... Putain, elle est petite, non mais t'as arrêté de conneries. Attends, je vais la masturber un peu. Attends, je vais la branler un peu. Putain. J'ai banni 2 semaines, tant pis pour vos gueules. Marina, on est d'accord que t'aimerais qu'il te fasse des excuses à genoux? Ah si, il se met à genoux. Oh bah, je m'en mets à genoux, alors. Mais non, j'y croyais pas une seconde. Elles sont trop fortes. Oui, merci, Marina. Mais non, elles sont trop fortes. Pardon de tout ce que j'ai fait de mal, de pas correct. Je m'excuse au peuple français. Emmanuel Macron, un beau discours. Je crois qu'il a pété, là. Oula. Tu vas y arriver. Allez, Régis, courage. Putain. Fais une pause en bas. Souffle. Vas-y, souffle. C'était pas une vanne. Alors, Régis, ce que tu vas faire, vu que t'es à genoux, tu vas t'asseoir. Roule. C'était presque ça, on y est. Non mais Régis... Le meilleur live de tous les temps. Ah, il a une tête de... Allez, bâtard, tête de pouce. Attends, je vais recommencer, à mon avis, je sais qui... Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétards? Ah ouais, il a des airs de Julien Mitte, voilà. Ouais. Putain, j'aimerais tellement troll avec ce personnage. Si mon perso Ramucho, il devait avoir un visage, c'est celui-là, un peu, non? Sans vouloir bien sûr vanner ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il... Il ferait un perso de fou, de malade. Numéro 4, barre-toi. Ah, c'est pas vrai. Viens avec moi, on se casse. Ouais, allez. Voilà, ouais. C'est barré, t'as trop loin. C'est dégueulasse. Et voilà. Plus besoin d'administrateur pour chasser, y'a qu'à retirer ses dents. J'ai pas besoin de montrer ma queue, moi, je mets mes dents. Sortez vos queues de combat, les gars. À vos queues, branlez. Je tombe contre des mecs qui savent jouer, mes mates sont nuls à chier. Salut, ça va les gars? Salut les gars, ça passe, plate 2? Plate 2? Un peu trop bas, hein.
T'as une jolie voix. Là, compte. Vas-y, mon sang. Arrête avec ce rire là, arrête. T'es sérieux? Arrête avec ce bide. Trou du cul. Hein? Tu parles à qui, lui? C'est bizarre, lui. Tu parles à qui, toi? Tu veux être ma petite salope? Tu parles à qui? Je suis Frédéric, ça j'ai assez calmé. On n'aurait pas notre bouche. Voilà, ouais, reste mignon, Frédéric, t'as vu avant que je te baisse ta mère. Frédéric. Qui c'est qui me fait une branlette espagnole, là? Ah, écoute-moi bien, Thierry, t'as vu, si tu veux pas que je vienne te baisser ta mère chez toi, tu vas parler mieux. C'est bon? C'est bon, petit fils de pute, va. D'ailleurs, je vais venir chez toi, je vais te piner ta soeur si tu parles mal encore. Trou du cul. Pas tout de suite. C'est chelou, lui. Ouh là 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 là. Ah, Thierry, t'as vu, j'ai ton adresse. Je te prends sur Mario Kart. J'ai ton adresse, mon poteau. Te baisant le bret. Ok. T'es un mec chaud, toi. On va c'est juste un gage. Oh, lui, on va lui retrouver son adresse. Là, juste un gage. Vas-y, je te laisse parler, après je parlerai. Il a quoi, ce gars? On peut hacker des gens par Discord? Ah, j'aimerais bien que tu me les lèches en plus. Ah, je suis en train de me taper une bonne queue, là. Il a un souci, il est de la merde. Ah. Putain, frère, ça s'entend que c'est ta souris que tu tapes en plus. C'est bête comme une chienne. Ah. Il est LPC ready, les gars. Putain, c'est bon. C'est bien, Frédéric, continue, je suis en train de te clip. Tu vas te faire ban du serve d'ici 5 minutes, chef. Oh non, mais bon, pleure pas, moi aussi, je me souris. Ah, mais bon, elle a eu tous les malheurs, cette femme. On lui a retiré le sein gauche, on lui a fait une... Et maintenant, elle a Alzheimer depuis 4 ans à l'EHPAD. Elle sait même plus où elle en est. Je veux me partir d'ici, il me plaît pas, c'est des cons. Ça te fait mal de voir ta maman comme ça? Mais ouais, ça me fait mal. Ça te fait quoi quand elle te reconnaît pas? C'est de la ça peine? Ça fait très mal. Quand elle m'appelle le prénom de mon neveu et que c'est moi, et elle connaît même plus mon âge, plus rien. Alors elle dit, c'est pas toi. Je connais pas une personne. Elle me reconnaît pas. Ah ouais, je vais sourire, je sais. Elle me reconnaît pas. T'en compte son propre fils. Elle connaît pas son propre enfant. Elle connaît pas son propre enfant. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, elle dit? Vous êtes qui? Tu vois, un bon match, un bon rythme, une bonne chaleur. Moi, j'ai 21-2 dans ma pièce, là. Le chauffage, moi, je m'en balance. Le fioul que j'aurai pu, j'en commande. On aide bien les Arabes, les Fatima avec leurs 12 gosses. Les encules, moi, je les emmerde. La France aux Français! C'est pas à cause des Arabes que ta mère, elle te reconnaît plus, Régis. Arrête un peu. C'est à cause des Arabes. C'est à cause des... qui ont piqué le fric des hôpitaux, de la recherche de la santé. On en est à 7 millions d'immigrés. Arrête tes conneries. Arrête. Je vais péter un câble, là. Je vais péter un câble. Quand il y a un vieux ou un meurtre, c'est Karim Mohamed ou Mustapha qui est concerné. Arrête tes conneries. C'est pas à cause d'eux que ta mère a l'Alzheimer et qu'elle se rappelle plus de toi. Va sucer un picot. Attention. Des belles choses vous souhaitant bien fidèlement. Sachez. Quand tu le mets d'une traite, c'est violent en fait. Tu vois qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, quoi. Ah putain. Putain, il a 4900 amis. Oh le lourd, il ajoute tout ce qu'il veut. Il a fait bonne pute. Non mais regardez-moi. Travaille chez Court-Métrage, Travail chez Travail Artistique, court-métrage, figuration. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Chroniqueur en participant à l'émission européenne. Interviewé en posant une question en direct pendant une émission publique à Radio RTL. Le petit, ok? Ah bah vas-y. Il va être déchaîné. Hein. Ouais. Oh, stagiaire, j'ai un ticket, tu veux bien le gérer là? Ouais. Attends, laisse-moi faire un petit tour vite fait. Ah bah ouais, c'est bien de la merde, c'est bien éclaté. Quoi? T'as dit quoi là? Bah j'ai dit que vraiment, ton style il est éclaté genre. Nique ta mère, pétasse. J'ai pas de maman, elle est morte. Non, je m'en bats les couilles, connasse. Ouais, bon, t'es venu pour un ticket, il est là, c'est déjà pour toi. Tu veux quoi? Je sais pas, t'es bizarre un peu. Comment ça, t'es bizarre? Bah, t'es bizarre, frère, parle normal. Ah, réponds, t'as fait un ticket. Quoi? Y'a des manières de parler? Vas-y, tu me dis ton ticket, sinon tu prends un jail. Frérot, il te manque des dents ou quoi? Non, j'ai quelque chose dans la bouche. Bah, t'as quoi dans la bouche, mon ref? J'ai ta chatte. Par contre, peut-être la de ton daron, peut-être. Ouais, tu veux un jail ou quoi?
Et je suis en admiration, je reconnais. Ça va pas durer longtemps. Bon, tu vas me laisser parler maintenant, Manu. Oui, oui. Bon, faut arrêter de parler de Nazim Boubou tout le temps. Tu sais qui t'écoute pas. Oui, bah, t'as que 5 viewers sur ton live, Manu. Faut que t'arrêtes de parler de lui. Faut un peu que tu oublies. D'accord. Tu regardes pas tout le temps. C'est pareil quand tu fais des concerts de rue. Il faut éviter de te mettre dans la place des SDF où il y a du pipi partout et tout. Parce que la dernière fois, on avait vu quand même une flaque de pisse qui était juste à côté. Alors, tu fais une carotte sur ton téléphone. Regarde, mais Morgane, je peux te répondre. Tu penses que c'est un fiasco total? Non. Attends, Morgane, eh ben, simplement, elle parle, mais elle ne laisse pas parler. C'est pour ça que je l'ai coupé. Et je crois que j'ai même aperçu dans ta chaîne Riri. Et quand on parle, on laisse parler les gens. Alors, je suis désolé, j'en parle peut-être beaucoup. Parce que vous m'en parlez. Oula, il est remonté là, non? Mais elle déconne complètement. Moi, pas du tout. J'ai jamais chanté où il y avait de la pisse. J'ai toujours trouvé. Non, elle a dit ça simplement. Pourquoi? Parce que tu dis que j'ai un nouveau look. Tu sais pourquoi? Je me suis fait opérer des poches sous les yeux. Ah ouais? Ouais, elle est plus jeune. Regarde. Ah ouais, canon. De ne pas avoir les poches, ça évite d'avoir le qui se stocke ici lors des faciales. Il coule plus facilement dans la bouche. Ah oui. Je suis pas dans le mime, je préfère rien dire, je préfère demander à un professionnel parce que on te voit, on voit que t'as une belle énergie, une belle générosité. Attends, je vais te faire un petit rôle, oui. Et puis tu t'échoues de trouver qui c'est, d'accord? Ah, ça c'est moi. La fille du soleil, je vais raconter son histoire. Alors, dis-moi, artiste, t'as voulu m'imiter, mais déjà, j'ai un peu plus d'énergie, je suis un peu plus souple que ça. Non, là, il y a une petite erreur. Hein. Juste voir à quoi elle ressemble, parce que des filles qui parlent vite comme ça. Bah, j'ai eu son nom de l'IFAN tout à l'heure, franchement. Ouais, on était ravis. Elle nous a fait un accès. Elle n'importe qui, hein, avec un petit téton qui dépasse, elle ressemble à rien, je suis sûr et certain. Une fille qui parle comme ça, elle ressemble mais à rien. Mais toi, ta meuf, elle est où là? C'est vrai. T'inquiète pas qu'elle est 10 fois plus bonne qu'elle, c'est sûr et certain. Merci pour ton arme, j'en ai besoin. C'est ça, tu n'as pas le droit de parler, toi, ferme ta gueule. T'as bien fermé ta gueule, hein. Ta gueule, hein. Derrière son écran. Ouais, mais elle a pris 2 kills, gros. Respecte un peu. Bah, j'en ai fait 2 en fait. Donc, tu peux me la respecter. Je respecte rien. Va manger ton McDo, espèce de grosse vache. Ça me saoule, les filles comme ça qui se croient bonnes alors qu'elles sont derrière un écran, elles savent pas jouer, elles visent le haut des couilles. Salope. Il est tellement énervé, ça. Je joue plus à CS, on va jouer à Fortnite, c'est un jeu pour toi, ça. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.